Le médecin t'a dit quoi? Bonsoir. Alors, quand je suis passée, quand Dieu m'a enlevé la flèche qui était dans mon dos, et là, après, quand le fréchoir a dit qu'il y a une personne qui a une hémorragie, et quand je suis passée là, Dieu m'a délivrée, il m'a libérée. Et malgré tout, le chirurgien, elle n'a pas cru. Et elle a pris un rendez-vous avec moi ce mois-ci, le mardi dernier. Et là, j'ai dit j'étais guérie. Elle m'a dit comment? J'ai dit par la grâce du Seigneur, je suis guérie. Elle m'a dit par la grâce du Seigneur, vous êtes guérie. J'ai dit oui. Elle m'a dit. Elle a passé, elle a fait le tour de tous les chirurgiens avec moi pour dire que est-ce qu'elle peut avoir la place pour faire une échographie parce que il y a quelque chose d'incroyable. Elle a fait le tour avec moi à l'hôpital. Et après, il y a une chirurgien qui l'a dit, moi, je donne la place. Après, je passais, elle a fait une échographie. Et puis après, elle a dit, vous êtes guéri par la grâce du Seigneur. J'ai dit, elle m'a dit, vous marchez où? Et c'est qui votre pasteur? J'ai dit, mon pasteur, c'est Jésus-Christ. Et elle m'a dit, Jésus-Christ? Elle m'a dit, mais c'est qui prêche? C'est qui parle de l'évangile? J'ai dit, il s'appelle Fréchois. Elle m'a dit, voilà, ben, vous êtes guéri par la grâce du Seigneur, par votre foi. Et voilà, vous êtes guéri. Et moi, j'ai envie de faire un courrier à ce monsieur pour que. Elle m'a dit que, écoutez, habillez-vous et je vous attends dans mon bureau. Et elle avait invité d'autres chirurgiens. Et pour que aussi ils écoutent. Et après, elle m'a dit, c'est incroyable, elle commence à pleurer. Elle pleure? Oui. Elle commence à pleurer. Et puis elle a dit que cette guérison me touche. Et la façon que vous parlez de cette frère-là qui prêche, et il demande, et je ne sais pas comment ce mot vient dans sa bouche. Elle a dit que qui prêche, mais qui demande rien. Et qui demande pas d'argent. Et j'ai dit oui, il demande pas l'argent parce que Dieu il donne gratuit. Et lui, il prie gratuitement. Elle commence à trembler, elle pleure. Elle était vraiment chaude. Et là, puis après, je commence aussi à trembler. Je tremble. Et là, j'ai dit merci Seigneur. Après, elle m'a dit, oui, waouh, quel frère, hein. Là, tu es allé à Christ au courrier. Voilà. Et puis, elle m'a dit, voilà, je vous donne ces courriers. J'ai dit, pour qui? Elle m'a dit, pour le frère Choua. J'ai dit, frère Choua? Après, elle me dit, et vous savez? J'ai dit, non. Et après, j'ai dit, voilà, je tiens à cœur de vous aussi donner une Bible. Elle m'a dit, combien ça coûte? J'ai dit non, c'est gratuitement. Je vais passer devant et je vais demander une Bible pour vous. Amenez-moi une Bible pour elle. Et lorsque vous avez cette Bible et vous-même vous allez faire passer le message et le vrai message, la vraie parole, et comme ça à tous les médecins, à tous les chirurgiens, pour qu'eux aussi croient que c'est pas le médicament qui guérit, mais c'est Jésus de Nazareth. Elle m'a dit. Et puis. Elle a même oublié si elle avait d'autres patients qui attendent dehors. Et après, il y a quelqu'un qui avait dit, okay, il a dit, mais hey, ça fait longtemps que vous êtes avec cette patiente, mais il y a des gens qui vous attendent. Elle a dit, attendez-moi. Et après, elle m'a dit, elle est chaude, mais elle a quelque chose à faire sortir qui est vraiment merveilleux. Et là, elle m'a dit, vous savez, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Et vous dites, au frais choix. Moi, je vous dis mon petit secret aujourd'hui et vous faites passer le message. Que le message que le frère Choua il prêche, c'est pas le faux, c'est le vrai. J'ai dit pardon. Wow. Donc, ton médecin t'a dit ça? Oui. J'ai dit, mais vous qui êtes chirurgien, qui opère les gens, et maintenant vous dites à un homme qui prie pour moi et je fais la foi au Père, et elle m'a dit, le Père, j'ai dit, oui, Jésus de Nazareth, c'est pas le frère Choua. Même quand le frère Choua n'est pas là, je crois en Jésus.
Elle m'a dit, elle tremble. Quand elle tremble, et puis là, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit merci Seigneur. Et les autres qui étaient dans la salle, ils ont resté comme ça. Ils disent, mais oh, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est pas possible ça. Après, elle m'a dit, bon, c'est la première fois de ma vie, je vais annoncer un truc pareil, un truc incroyable. Le miracle. Parce que je sens que cette message que cette frère-là donne. C'est pour ça que je vais vous donner la lettre, vous donner à Fréchoua, pour que le monde entier voit vraiment que... Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen. Oh, alléluia, amen. Amen, oh amen, alléluia, amen, amen. Jésus l'a guéri, amen, 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 alléluia. J'ai le courrier du médecin, amen, amen, alléluia, amen. Avec Jésus sur tac au tac, amen. Amen, amen, alléluia, amen. Wow. Écoutez, c'est grave, c'est terrible. Elle avait des fibromes partout, elle devait se faire opérer. Une parole de connaissance a été libérée ce jour-là, comme aujourd'hui. Elle était touchée. Le Seigneur l'a opérée, il a enlevé les fibromes. Elle est partie voir son médecin. Le médecin l'ausculte. Elle dit, mais il n'y a plus de fibromes, il n'y a plus rien. Et elle dit, mais Jésus m'a guéri. Mais qui est ton pasteur? Elle dit, Jésus est mon pasteur. Mais oui, mais qui vous prêche l'évangile là-bas? Elle dit, bon, c'est le fraîche. Il n'y a pas que moi. Et puis la femme médecin m'envoie ce courrier disant qu'il faut que nous continuions, que je continue. Voilà, et puis elle m'a dit que, et vous dites à Fréchoua, qu'elle passe le message dans le monde entier et pour qu'en France soit touché, tous les Français soient touchés, tout le médecin soit touché pour que vraiment c'est la vérité. Et là, après elle m'a dit, je ne peux pas vous laisser, je vais vous confier mon secret. J'ai dit, Seigneur, quel secret je vais annoncer? Non, j'ai dit, mais père. Et là, elle commence à pleurer et j'ai dit, excuse-moi, j'ai dit que Dieu vous donne vraiment encore la sagesse pour que vous, lorsque vous posez la main sur quelqu'un, pour que ce n'est pas vous-même qui guérit cette personne, mais c'est Jésus. Elle commence à trembler, elle m'a dit, écoutez, je vous dis mon secret tout de suite. Vraiment, je crois dans des miracles. Je crois vraiment Dieu guérir. Dieu opère. Elle m'a dit que c'est la première fois que je vais dire mon petit secret. Et vraiment, j'étais vraiment à fond, dans des difficultés, dans des problèmes. Avant, je suis venue chirurgien. Je suis tombée dans tous les mauvais états. Et moi, je croyais que c'était la religion, l'église catholique, aller voir les papes, aller faire prier, faire tout un steak de cinéma. Mais non, c'était faux. Et un jour, elle est couchée comme ça sur son lit. Il dit, mais pourquoi c'est pas Bouddha, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pas Pentecôtiste. Mais elle a dit, mais qui sauve? Qui donne la vie? Qui donne la vie? Qui donne la vie? Et elle est partie. Quand elle est partie, elle m'a dit, je sentais cette présence. Oh! Alléluia!
accueillons-le. Il est là, accueillons-le. Accueillons le roi des nations. Accueillons le médecin de médecins. Élevons-le. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus, sois loué mon Dieu, sois exalté Seigneur, sois exalté Père, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons Père, nous t'adorons Père, nous t'adorons Père. Adorons-le, adorons-le, il mérite la gloire, c'est notre médecin, c'est notre roi, c'est notre Père, c'est notre Dieu. Les nations t'adorent, les nations s'inclinent devant ton trône, les quatre êtres vivants s'inclinent devant ton trône, les 24 anciens se courbent devant ton trône. Devant ton trône. Majesté, roi des nations, majesté, Jésus est majestueux, roi des nations. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nous t'apportons nos acclamations, nous t'apportons nos louanges, nous t'apportons la gloire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, s'il te plaît, prends toute la gloire. Règne en ce lieu, règne en ce lieu, règne en ce lieu. Règne, 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 Seigneur. Il y a un peuple qui t'aime, Seigneur. Il y a un reste qui t'aime, Seigneur. Nous voulons faire partie de ce reste. Ces hommes et ces femmes qui se sanctifient pour toi, qui se mettent à part pour toi, Seigneur, mon Dieu. Nos bien-aimés, notre bien-aimé, Seigneur. Notre bien-aimé Jésus. Notre bien-aimé Père. Nous bénissons ton nom pour les nations. Nous te soumettons la France. Nous prions pour cette nation, Seigneur, la France. Sauve cette nation, Seigneur. Garde les Français et les Françaises, Seigneur. Seigneur, sauve le président, sauve les ministres, sauve les députés, les sénateurs, les policiers, les gendarmes. Seigneur, cette nation, Seigneur, te cherche, cherche ton nom, Seigneur, mon Dieu. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de la Palestine. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour ton retour, Seigneur mon Dieu. Nous t'attendons, Seigneur Père. Seigneur Jésus. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur mon Dieu. Sauve-nous, Père. Sauve-nous, Père. Sauve-nous, Père. Sauve ton peuple. Sauve ton peuple, Seigneur. Sauve-nous. Sauve-nous. Nous voulons nous exposer devant ton trône.
tels que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos manquements, ô Père. Ô Père.